Alors, Florent Ibengué, dites-nous dans quel état se trouve déjà le léopard de la République démocratique du Congo qui se prépare ici à Marbella en prévision de la CAN Égypte 2019. On est vraiment dans l'ambiance de travail. C'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Déjà, quand je suis allé les voir, j'aurais dit qu'on allait souffrir. Donc, ils sont en train de souffrir. On travaille beaucoup, matin et soir. Donc, tout le monde travaille sans rechigner parce que... On essaie d'individualiser un petit peu le travail parce que tout le monde n'a pas arrêté au même moment. Il y en a qui ont arrêté beaucoup plus longtemps que d'autres. Donc il faut que tout le monde arrive à être à peu près au même niveau pour pouvoir continuer notre route. Et de quoi est faite la séance de ces mercredis? Ce mercredi, on a essentiellement basé la séance de l'après-midi sur une opposition. Donc il fallait quand même ménager... les corps le matin, donc on a fait un circuit d'endurance technique et à base évidemment de technique d'endurance mais surtout aussi ludique, donc pour aérer un petit peu l'esprit parce qu'on venait de taper 2 jours de façon assez dure, donc il fallait relaxer un petit peu les muscles et puis pouvoir donner dans l'après-midi. Parfait, Mandanda vient de rejoindre les groupes. Mais par contre, il y a encore d'autres éléments qui ne sont pas encore avec vous. Parfait, et là, c'était prévu. Il a terminé tard son championnat, donc il devait aller faire son passeport et arriver. Donc on est là, on travaille avec ceux qui sont là. Alors, où en est-on avec la situation de Marcel Tisserand qui avait arrêté les entraînements hier? Oui, Marcel a ressenti une blessure qu'il a déjà eue. Et à l'époque, quelqu'un l'avait très bien soigné. Et déjà ce matin, il allait beaucoup mieux. Il sentait presque plus la douleur. Mais pour se rassurer, on a décidé de l'accompagner voir son médecin spécialiste. Et puis il reviendra demain.